n'aime pas parler très spontanément de la femme, mais je veux m'apesantir sur le motif, l'esthétique poétique particulière que Paul Éluard a choisi pour aborder le thème de cette terre, de cet être aussi cher qu'est la femme, notamment à travers la technique du blason. Le blason, parler du blason nous oblige à remonter jusqu'au 16e siècle, connu sur le siècle de la Renaissance littéraire. Et dans la technique du blason est une technique poétique, un genre poétique, une poésie particulière qui a pour objet la description, au sens large du terme, la description comme portrait, décrire une personne de manière entière ou bien décrire la partie d'une personne simplement, ou encore décrire un objet. Il y a dans Capitale de la douleur, on remarque la redondance du mot femme, un peu comme une obsession. Tout à l'heure, on vient de vous donner le nombre de poèmes qui sont contenus dans Capitale de la douleur, et il va de soi qu'il s'élève à plus d'une centaine. Et dans plus d'une centaine de poèmes, un poète qui est sensible forcément au monde n'a choisi que la femme comme une incantation. C'est un peu comme sa formule magique, son obsession tout au long de ses poèmes. Alors, nous avons donc la femme qui revient dans les poèmes à travers la désignation très claire. Et là, il ne passe pas par mille chemins, il la désigne telle qu'elle pour que nul n'ignore de qui il s'agit, la femme. Et par d'autres variables, fille aussi qui renvoie à la femme. Par ailleurs, toujours pour parler de la femme, il va au-delà de l'être, de la désignation de l'être même, et la désigne même par des parties de son corps, mais des traits liés à la femme, à savoir, tout à l'heure, j'ai suivi simplement quelques points que vous avez choisis et je n'ai cessé d'entendre les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. À côté des yeux, on a encore les yeux qui reviennent sous une autre forme, cette fois-là, l'œil. Et un terme assimilable toujours aux yeux ou à l'œil, le regard. Qui sont principalement, en fait, la principale partie de la femme qui sont redondantes dans Capitale de la douleur. À côté des yeux, nous avons également les lèvres qui reviennent. Les lèvres, la bouche, les mains et bon, quelques attributs, peut-être pas très fins, la virginité et puis les seins. Tout ça, c'est propre à la femme. Il faudra bien qu'on s'apesantisse. Alors, bien, qu'est-ce que Paul Éluard essaye de véhiculer à travers cette image de la femme? À chaque fois que la femme est interpellée dans chacun des poèmes de Paul Éluard, qui, vous l'avez constaté, sont regroupés en rubriques et elles témoignent, en tout cas, de l'agitation de la vie sentimentale de l'auteur. Agitée parce que ça ne s'est pas déroulé de façon platonique. Il n'a pas eu la chance de connaître un amour éternel. Il a eu à découvrir, peut-être c'est pour cela qu'il en est obsédé, plusieurs femmes qui les ont pris à travers le cercle magique de leurs yeux dans cet amour-là dont il ne réussit pas à s'en départir. Alors, donc, la femme est évoquée ici non seulement comme présente, comme incarnation de la frustration, de déception, de la trahison que l'auteur a pu ressentir. Vous avez suivi l'histoire, le tien tient à la gorge, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais également, la femme est celle-là qui est associée à l'amour. L'amour qui semble être même passionnel quand on regarde l'obsession qu'il a pour le mot femme. Comme pour dire un peu comme parleraient les philosophes, rien de grand ne s'accomplit sans passion. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour surdimensionné. Au point où sur 100 poèmes, on va entendre et réentendre encore le terme femme. Donc la femme ici incarne une espèce de dichotomie dans la vie de l'auteur. À la fois, elle est la joie, le bonheur, l'amour, et à la fois, elle est la douleur et la souffrance qui ont marqué l'auteur. Et elle est même quelque chose de très particulier dans sa vie,
celle qui a impulsé sa fonction. Rappelez-vous ce qui a été dit à propos de Gala, celle qu'il a nommée Gala, qui est considérée comme sa muse, celle qui lui a donné la force d'écrire, autant en trempant sa plume dans la douleur que dans la joie que ces mêmes femmes-là lui ont inspiré. Donc, par ailleurs, s'il faut s'appesantir sur les parties de la femme qui sont impliquées également dans ce poème, on a mis un accent particulier sur les yeux, le regard. Qu'est-ce qui se passe finalement chez Eluard avec ce regard? Mais je pars d'un point de vue global. On a parfois tendance à dire dans des expressions comme ça que le regard est le miroir de l'âme. On a l'impression que les yeux, les yeux qui envoûtent Paul Éluard sont comme une espèce de connexion entre lui et l'être aimé. C'est comme si à travers le regard, il avait la possibilité de plonger dans l'âme de celle qu'il aime, de puiser, de s'abreuver, de se délecter de cet amour-là qui est dans son âme, directement. Alors, là, ici, on a l'impression que le voir, la vue, le sens qui domine dans cette relation amoureuse, c'est la vue. Un peu comme pour dire que voir, pour l'auteur, il est assez amoureux pour que voir soit égal à avoir l'être même. Donc, mais qui est aussi amoureux, aussi grandement et noblement amoureux pour se contenter du simple regard quand il aime aussi follement. Alors pour signifier que l'amour ne se limite pas seulement à la contemplation, à la fascination qu'il a vis-à-vis de ces femmes qui ont également un revers pour lui, il y a également, pour faire complet, la redondance des lèvres, de la bouche, qui sont également des parties féminines et des parties qui sont magnifiées. Donc, l'amour, c'est aussi la sensualité, quand même, c'est complet. Donc l'amour, c'est à la fois ataraxie, contemplation, c'est aussi la sensualité. Ça va de pair. Bien. Donc, outre l'image de la femme, nous avons également l'image de la nature, globalement. Donc, à travers ce que nous avons dit en deuxième sous-partie, le pouvoir, le symbolisme. Et on sait que le symbolisme est ancré sur les correspondances que l'auteur établit entre les éléments de la nature et les sentiments qui vont avec, ce qu'elles peuvent traduire pour lui. Donc, entre autres images, je ne vais pas citer, des vers, je cours un peu. Nous avons l'image prédominante de... Nous avons l'image prédominante de la nature naturellement à travers le paysage. Le paysage. Dans le paysage, nous notons la présence de la mer, de la rivière, de l'eau, du fleuve. Globalement, une image associée à l'eau, à laquelle vient s'ajouter l'image du bateau ou de la barque. Pour lire quelques vers, comme les vers du poème Paul Klee, on a « Sur la plage, la mer a laissé ses oreilles. Dans un coin de verdure, dans un coin, la verdure, la voiture de verdure de l'été, immobile, glorieuse, dévorée par les plumes, et soumis à la mer, il a laissé passer son ombre dans le vol des oiseaux de la liberté. Le fleuve se détend. Alors, nous irons ramer dans le cou des eaux, nous aurons un bateau. Là, on n'imagine pas mon petit bateau. Vous voyez que, à l'image de cette nature mitigée, il y a des associations positives. Tout ce qui accompagne l'image de l'eau est globalement positif, exception faite par soumis à la mer. Soumis à la mer apparaît ici comme une espèce de mère, maman cette fois-là, mais qui punit. Un peu comme pour dire que, et ça c'est dans le poème Max Ernst 2, et on vous a présenté qu'il est son Judas, celui qu'il a trahi avec sa première femme, sa muse, Gala. Alors, donc, la nature apparaît comme l'espèce de liberté et aussi de refuge pour le poète. On a également des images liées à la végétation, fleurs, verdure, arbres, feuilles. Je cours après le temps, je ne vais pas être longue pour déclamer les poèmes. On a les images liées aux astres, soleil, lune, étoile. Dans plusieurs poèmes, ça revient. Et là, on peut, on se rend compte, quand on les lit,
vu le contexte dans lequel elles apparaissent. Par exemple, je vois là le soleil qui est assimilé aux fleurs, le soleil qui est assimilé au miel, tellement de sensations positives assimilées à la nature. On peut donc déduire que le paysage est associé au sentiment du poète. C'est du poète qui représente pour lui un temple qui non seulement recèle et la beauté, et la détente, et la vie, et l'abondance. C'est également le cas de l'expression de ses désirs, ce d'être en mouvement, notamment avec l'idée du bateau et globalement une idée de liberté. Bien. En dernière position, nous avons les oiseaux, la dénotation avec les oiseaux. Quand on parle d'images liées aux animaux, et je vous renvoie tout simplement à l'image de première couverture, où on voit justement un homme, mais avec l'animal, l'oiseau. Et je ne veux pas peut-être trop faire dans la religion, mais lorsque le Christ a été baptisé, un miracle s'est accompli. La colombe est descendue. Et je vous renvoie encore à l'image littéraire de l'oiseau prônée par Charles Baudelaire à travers l'albatros, qui élève, qui montre l'élévation du poète qui parfois fait de lui un être incompris. Donc, globalement, on peut assimiler l'oiseau que l'auteur, parfois dans certains manifestes, assimile à la liberté. On peut assimiler l'oiseau à l'évolution. Quand on parle du vol du petit oiseau, que le vent ne retient pas parce qu'il ne ferme pas ses ailes au vent. Il permet à résister au vent qui emporte. Mais le petit oiseau, parce qu'il ne ferme pas ses ailes, est capable d'avancer. Donc l'oiseau revêt l'évolution, l'ouverture, la liberté, la pureté, la grâce, la sagesse. Et parfois le malheur, quand on lit le poème Paris pendant la guerre, donc l'image de l'oiseau est associée, influencée par les circonstances. Donc c'est également comme le symbole de notre existence, vicissitude, parce que c'est mitigé quand même. L'oiseau, tout ce qui est de positif, l'oiseau aussi avec une tache de mal. Donc, on a en dernier ressort, la dernière partie, les images liées, en fait, générées par les figures de style. Et qui sont frappantes de par leur caractère incongru. Je vous renvoie à l'exposé de mon voisin, parce que je vais vous donner les commentaires. Je donne juste une image que, par laquelle on a l'habitude de résumer le surréalisme qui se profile dans Capitale de la Douleur de Bolivia. La rencontre entre un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection. A priori, on ne voit vraiment pas le rapport. Alors, je m'en vais vous lire comme ça pour que vous-même vous en jugiez quelques figures de style. Je prends par exemple dans le cadre des figures d'analogie, de comparaison. Le monde était aussi transparent qu'une aiguille. Je ne pense pas que, en fait, à vous d'en juger. Je glisse sur le toit des mers, la droite laisse couler le sable, comme métaphore, personnification. L'orage par instant sort de la brume, me tourne les yeux et les épaules. L'allégorie, l'inceste agile tourne autour de la liberté. Parlez-moi de forme, j'ai grand besoin d'écriture. Alors vous comprenez ici que... Alors, ici, il y a comme un souci pour l'auteur de bousculer un peu ce qu'il y a de classique. C'est certainement dénote forcément ces tendances à l'écriture. Alors pour conclure, je crois que quand on écrit, aussi bien quand on utilise les mots, que même si on dessine, on a tendance à laisser couler ce qu'on a à l'intérieur de soi, ce qu'on a conçu. Et donc les images sont révélateurs d'une certaine personnalité de l'auteur. Alors, pour résumer donc les signes et ce que les images révèlent, on peut résumer Paul Éluard à travers les images qu'il a choisi de nous présenter en trois mots. L'amour avec toutes ses tendances, la liberté et la beauté. Merci de votre attention.